de ce colloque que nous avons décidé d'intituler Le sport pour la santé, quels engagements possibles. Le but de ce colloque va être d'être un moment d'information, mais aussi d'échange autour de la question du sport santé en Champagne-Ardenne, de ses acteurs actuels et de ses acteurs potentiels. Pour le déroulement de cet après-midi, nous allons dans un premier temps, par l'intervention du docteur Mouné-Guillemin, vous présenter les bienfaits du sport sur la santé. Dans un deuxième temps, nous avons organisé une table ronde avec les différents acteurs du parcours de soins. Et ensuite, nous avons un témoignage de M. Stéphane Long de la ville de Reims qui nous présentera les actions de la ville de Reims dans le sport santé. Dans un premier temps, je vais donner la parole à M. Gérard Berthiaud, vice-président du conseil régional, délégué à la vie associative, la jeunesse, les sports et l'éducation populaire. Merci. Merci à vous d'être, surtout aux pros et à son président, d'avoir organisé cette table ronde à la Porte de Chalon, le 68e. On sait très bien que la Porte de Chalon, c'est un lieu d'échange. Et donc, sur ce sujet-là, c'est donc quelque chose qui est pour nous, au conseil régional, très, très important. Ce que je voudrais vous dire avec le sujet que vous avez mis en place pour aujourd'hui, c'est sport santé, c'est quelque chose qui existe, dont les réseaux existent, avec notamment l'État. Et que le CROSS s'en empare, c'est encore mieux. Pour nous, conseil régional, dans notre convention, là jusqu'en 2018, nous avons, parmi les thématiques abordées, c'est aussi cette question-là. C'est-à-dire que le CROSS soit aussi un acteur ou l'acteur qui permet de coordonner et impulser l'ensemble des dispositifs sport-santé. Cette coordination, et donc c'est intéressant, si je viens aussi aujourd'hui, c'est de voir comment le CROSS, avec l'ensemble des acteurs, a pu mettre en place et quel est le CROSS, le levier utile au développement du sport santé, quelque chose d'important. Et avec ma casquette aussi de médecin, c'est sport santé, c'est pas, et on a échangé avec Stéphane tout à l'heure sur que pourrait engendrer comme économie de santé l'activité sportive sur la santé, c'est aussi une discussion que j'ai eue avec le directeur du CREPS, c'est comment nos clubs peuvent intégrer les pathologies chroniques parmi leurs sportifs de fait, que ce soit les chroniques respiratoires, cardiaques, diabétiques, etc. Et là, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, en tout cas, pour nous, région, avec aussi bien la casquette sportive que nous avons, avec notre élu régional, notre vice-présidente en charge des questions de santé, comment on peut ensemble participer à la mise en place justement de ces réseaux. Et je pense qu'avec le CROSS est un des outils importants pour coordonner cette action-là. Donc, je suis ici pour. Merci de donner la parole pour justement donner notre point de vue, mais également d'échanger. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe. On a discuté tout à l'heure, mais bon, on a aussi des choses à voir sur le terrain et comment le CROSS peut être justement ce coordonnateur de l'activité sport-santé dans notre région. Dans la région actuelle, vous savez qu'il y a quand même quelques incertitudes sur le périmètre régional, mais en tout cas, nous sommes en Champagne-Ardenne. Il y a un CROSS Champagne-Ardenne, et donc c'est à nous ensemble d'être l'effet levier et coordonner au mieux ces actions-là qui nous semblent très importantes pour nos populations. Voilà ce que j'ai souhaité dire, en tout cas en préambule de votre colloque. Bon, merci pour cette introduction qui nous permet d'ouvrir le sujet sur le sport santé en Champagne-Ardenne, que ce soit CROSS, Direction régionale jeunesse et sport ou conseil régional. Je vous propose à présent de donner la parole à M. le docteur Mouné-Guillemin, qui est le représentant de l'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé, au sein du réseau Sport Santé Bien-être. Il va avoir pour mission de nous présenter les effets physiologiques de la pratique sportive sur la santé. D'accord. Bon, je suis par ailleurs effectivement médecin, mais je suis pédiatre, hein, donc je vois le sport, la santé par une petite lorgnette, hein, qui est celle de l'enfant, de l'enfance, hein, des, de plus jeune âge. Et bon, le sport c'est la santé par le sport comme médicament, que n'a-t-on pas entendu, et
des choses qui sont tout à fait pertinentes. Mais bon, je suis pédiatre et je me suis un peu référé à la bande dessinée avec la Maxime, pour ceux qui l'ont connue, hein, il y a des jeunes ici qui ne l'ont peut-être pas connue, parce que je crois que le journal n'existe plus, mais si le journal Tintin, c'est pour tous les jeunes de 7 à 77 ans, je pense que le sport, pour tous, pour toute la population, c'est aussi de 7 à 77 ans et bien au-delà de 77 ans. Alors, tout d'abord, chez l'enfant, je crois que le sport chez l'enfant, ça fait référence à un certain nombre de choses qui sont qui ont attrait aux valeurs éducatives. Ça, c'est très indépendant, très, très important. C'est un modèle dans la vie active, le sport tel qu'on peut le pratiquer. Et effectivement, les enfants peuvent le pratiquer en club, le pratiquent bien évidemment à l'école, et ça, c'est une dimension très, très importante. C'est un moyen de valorisation, mais l'enfance, c'est surtout et avant tout souvent l'âge de la compétition. Et ça, c'est un élément important. Alors, bien évidemment, chez l'enfant sain, il est nécessaire de la pratiquer. Elle a une grande valeur de prévention, et on est très attaché sur cette valeur de prévention vis-à-vis de l'obésité, hein, parce que l'effort régulier en tant que tel, bien évidemment, est un facteur de prévention de l'obésité chez l'enfant, mais c'est aussi un facteur qui détourne l'enfant des facteurs d'obésité que sont la sédentarité, comme l'adulte, malheureusement, va devoir souvent la rencontrer ultérieurement. Mais chez nous aussi, dans le domaine de l'enfance, c'est aussi le problème déjà de certaines pathologies chroniques, pour nous qui sont essentiellement l'obésité lorsqu'elle est constituée, mais aussi l'asthme, qui est une maladie qui a une très forte prévalence dans l'enfance. Et là, on va déjà parler de la nécessité de maintenir une activité physique et sportive. C'est fini l'époque révolue où un enfant asthmatique se voyait quasiment contre-indiqué à la pratique du sport parce qu'il n'avait pas de traitement adapté. Et aujourd'hui, bien évidemment, le but, la finalité pour nous, c'est un traitement adapté à un enfant lui permettant de faire une activité sportive normale avec tous ses petits copains de classe à l'école ou en club, et éventuellement, si nécessaire, de maintenir une activité physique adaptée. On parle déjà d'adaptation dans l'enfance par rapport à certaines pathologies chroniques. Alors, bien sûr, l'asthme, l'obésité, mais aussi le diabète chez l'enfant, qui est une maladie qui est de plus en plus fréquente. Bien que je n'ai pas la casquette de médecin d'adulte, et je vais quand même, à la demande, faire un petit mot sur ce qui me paraît important concernant le problème chez l'adulte. Alors, bien évidemment, chez l'adulte sain, c'est la nécessité, à un moment ou à l'autre, de découvrir qu'on a besoin d'entretenir sa forme, d'entretenir son corps. Quelques chiffres comme ça qui me paraissent quand même relativement marquants, et dont on peut parler. Ce sont des chiffres statistiques, hein, qui sont donnés dans la littérature. On considère qu'en France, il y a à l'heure actuelle 37 millions d'inactifs. Alors, 37 millions d'inactifs, ça veut dire 37 millions de personnes qui ne remplissent pas le minimum de la recommandation qui est, je dirais, universellement préconisée, qui est celle d'une activité physique quotidienne équivalente à 30 minutes de marche forcée par jour. Après, on trouve l'équivalent qu'on veut. Celui qui jardine, s'il utilise sa bêche du matin au soir, il dépasse largement le quota de ces 30 minutes de marche forcée, et chacun peut entretenir sa forme comme il le veut. Mais 37 millions de personnes ne rempliraient pas cet effort minimum qu'il est nécessaire de réaliser en au minimum 3 fois 10 minutes d'effort quotidien, qui peut représenter le temps du trajet pour aller au travail, pour aller faire ses courses. Voilà. Alors, bien évidemment, sur le plan de l'organisation générale, un certain nombre, et vous devez le savoir, je pense qu'ici il y a un nombre important de gens qui sont des professionnels d'une manière ou d'une autre, un peu de ce sport santé, mais vous avez vu, se sont succédés dans le temps récent, c'est-à-dire depuis 2000, plusieurs plans nationaux permettant de lancer un petit peu la machine, des plans nationaux en 2001, en 2008, des plans d'action pour lesquels se sont mis en place des moyens financiers. Alors les moyens financiers, c'est l'État, par le biais de l'ex-Jeunesse Sport, qui maintenant est un enjeu plus complexe. À chaque fois, je me prends dans le logo, donc tout le monde se reconnaîtra. Ce sont les collectivités territoriales, les mairies, le conseil régional, les conseils généraux qui peuvent contribuer à apporter des moyens financiers. C'est la caisse d'assurance maladie qui est très intéressée par la question. Ce sont les mutuelles qui se sont également appropriées ce domaine pour inciter et trouver des financements, parce que évidemment, tout ça a quand même un coût. Alors, chez l'adulte sain, la prévention, on va ressasser des lieux communs, mais c'est effectivement la lutte contre
l'obésité, l'ostéoporose, l'arthrose, le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance respiratoire, et puis c'est aussi, chez tout sujet sain, le bien-être physique, tout simplement, redécouvrir à un âge, souvent dans la deuxième partie de la vie, redécouvrir qu'on s'est peut-être un petit peu laissé aller et qu'il faudrait se remettre à une activité. Et c'est là qu'à mon avis, le problème se pose véritablement. C'est celui qui a 40, 45, 50 ans, découvre qu'il a laissé un peu tomber ce qu'était son activité peut-être quand il était plus jeune, et veut se remettre à retrouver une certaine forme d'activité ou une remise au sport. Et c'est là où on bascule un petit peu entre le sujet sain et le sujet qui a une pathologie chronique. C'est là où on retombe, si on veut bien, sur la nécessité à ce moment-là d'avoir une remise aux normes, si on veut bien, une remise en forme, une remise à l'exercice sportif qui doit être contrôlée, sur le plan médical. Et je pense que les médecins, qui ne sont pas toujours forcément tous, en tout cas c'est ce qu'ils disent, ne sont pas tous forcément toujours bien formés à ça, en matière de conseils, en matière, mais on va quand même solliciter, son médecin pour savoir si on peut reprendre son activité. Un club va demander un certificat médical, qu'est-ce qui permet d'évaluer. Et je pense que notre message, en particulier à l'URPS, qu'on essaye de nous, des professions de santé qui regroupent l'ensemble des médecins libéraux, spécialistes ou généralistes en Champagne-Ardenne, je pense que l'idée à faire véhiculer, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est mis en place une coordination, une organisation, les fédérations de clubs sportifs sous l'égide du CROSS et pendant d'autres institutions ont formé des éducateurs à la reprise en main, remise en forme, remise à l'exercice physique de tout sujet porteur d'une pathologie chronique ou simplement atteint d'embonpoint, d'obésité, qui veulent reprendre une activité physique et sportive. Mais je pense que tout ça doit être fait de façon rigoureuse et que l'information doit être véhiculée par chacun des composants que sont l'usager, le milieu sportif, le milieu médical, savoir qu'il est nécessaire aujourd'hui, vraisemblablement préalablement à ça, de faire un bilan, médico-sportif. Et aujourd'hui, les gens sont formés pour faire ces bilans médico-sportifs. Il y a des éducateurs médico-sportifs qui reçoivent un enseignement qui leur permet effectivement de pouvoir faire un bilan et de pouvoir ensuite proposer une activité. Activité qui aujourd'hui et depuis peu, grâce au travail qui a été alors mis en place sous l'égide de différentes structures, il existe maintenant pour la région un réseau sport santé bien-être qui est une entité tricéphale où l'on retrouve la partie sportive des éducateurs du monde sportif des clubs sous l'égide des crosses, des DOS et qui permettent de porter cette composante indispensable. Bien évidemment, les usagers, ça c'est très important, c'est l'usager qui est au centre du problème, avec des associations dont le CISC est une des composantes tricéphales de ce réseau sport santé bien-être, et puis les médecins qui effectivement ne peuvent qu'être impliqués dans tout cet édifice. Alors, tout ça, c'est, je dirais, articulé, chapeauté par des organismes financeurs que sont la Jeunesse et Sport, je la résume comme ça une fois de plus, la Jeunesse et Sport d'un côté, et puis d'un autre côté, l'Agence régionale de santé, dont c'est maintenant une des composantes importantes, et qui sont les financeurs de ce qui va permettre de mettre en place un réseau, qui va permettre, et ça vient de démarrer, de labelliser un certain nombre de clubs qui se sont engagés à répondre à un certain nombre de critères assez sérieux, de façon à ce que les gens puissent rentrer dans des clubs où ils savent qu'ils vont être accueillis par des éducateurs formés, attentifs à la prise en charge d'une pathologie chronique, à la remise en route d'une activité physique après une longue période d'inactivité. Et ça, c'est quand même très important sur le plan de la sécurité pour les patients, et c'est un élément très important. Et cette labellisation, les premières labellisations ont été accordées il y a quelques mois, donc c'est quelque chose d'important, et de raison, je pense que M. Collard ou d'autres personnes autour de cette table pourront peut-être un petit peu repréciser le sujet. J'aborde un petit peu de mon cadre, mais je suis, à travers l'URPS, une des composantes tricéphales de ce moyen qui est mis à disposition. Alors, bien évidemment, pour les porteurs de pathologies chroniques, ben, le cancer, le diabète, les cardiopathies, l'hypertension artérielle sévère, l'insuffisance respiratoire et bien d'autres pathologies vont nécessiter que soit mis en place, pour que les choses soient faites de façon sécuritaire, un bilan médico-sportif qui doit être réalisé par un éducateur médico-sportif. Et tout ça est en place, existe. Les médecins doivent savoir, et il y a encore un travail à faire de façon importante auprès des médecins. Je pense que les collectifs d'usagers sont informés maintenant quand même aussi
de cette possibilité. Et puis, les clubs aussi peuvent mettre en avant le label qu'ils peuvent avoir acquis pour pouvoir permettre d'aller faire une activité, une fois de plus, très importante, adaptée au niveau d'un club. Voilà, je pense que j'ai à peu près résumé ce que je voulais dire sur le sujet. Je terminerai simplement sur quelques éléments sur le plan économique, parce que si effectivement on parle de la santé, le sport dans la santé, il faut parler aussi et toujours un petit peu d'économie, quelques chiffres comme ça qui sont quand même très importants, parce qu'on parle de plus en plus, on entend de plus en plus parler du sport, de l'activité physique, de l'activité sportive, comme un élément qui pourrait s'apparenter à une forme de médicament, en tout cas qui permettrait de façon tout à fait réelle et concrète de diminuer le traitement des patients dans tout un tas de pathologies, l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiovasculaires. C'est certain que les gens qui reprennent l'activité vont pouvoir, avec leur médecin, avec le suivi qu'ils auront, diminuer leur consommation de médicaments pour leur bien-être et pour le bien-être de l'économie de santé sur le plan financier. Alors, quelques chiffres comme ça, hein. On estime aujourd'hui que si ces 37 millions d'inactifs, on les mettait dans le versant citoyen actif, pratiquant le minimum de cette activité physique recommandée, ça représenterait potentiellement une économie de 10 milliards d'euros par an. C'est quand même pas rien, par les temps qui courent, où on cherche où on peut des millions et des milliards d'économies. En 2007, une étude a montré que la différence de dépenses santé entre un sujet actif et un sujet inactif était évalué environ à 250 euros par an de différence de dépenses en matière de santé entre les gens qui rentrent dans une catégorie ou autre. Voilà. Je voulais sur le plan médical apporter modestement cette information et pour qu'on puisse voilà, ensuite dialoguer sur le sujet. Nous vous remercions. Je pense que l'ensemble de ces éléments va nous permettre déjà de cerner concrètement l'intérêt de la construction du sport santé et également de comprendre pourquoi il est important de sécuriser l'accueil des pratiquants, notamment par la formation des éducateurs et la labellisation qui est actuellement mise en place. On va maintenant décliner le parcours de soins qui est mis en place en Champagne-Ardenne, à savoir que le parcours de soins résulte d'un travail coopératif entre les pouvoirs publics et le réseau Sport Santé Bien-être, qui est constitué, comme l'a expliqué le docteur Nébulin, par le CROSS, le CIS, collectif interassociatif sur la santé, et l'URPS. Nous avons ici trois représentants qui vont travailler, qui sont des acteurs du parcours de soins. Donc David Lelong, qui est éducateur sportif sport santé, qui intervient et qui encadre des créneaux sport santé dont certains sont labellisés, ont obtenu le label Jeunesse et Sport. Vincent Bouchepan, qui est éducateur médico-sportif au sein de l'UTEF de Chalon, unité transversale d'éducation du patient, et qui est également chargé de mission au réseau Sport Santé Bien-être, et Mme Betty Charlier, qui est présidente du comité régional Sport pour tous, et également membre du bureau et du comité directeur du CROSS. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter vos missions et quels sont vos rôles au sein du parcours de soins, de la construction du parcours de soins, et quelles sont vos actions concrètes au quotidien. Vincent, je te donne la parole. Donc, je suis donc éducateur médico-sportif à l'UTEP, unité transversale d'éducation du patient à l'hôpital de Chalon, détaché à 20% pour le réseau Sport Santé Bien-être. Donc deux casquettes, la casquette chargée de projet au réseau où j'essaie de coordonner tous les bilans médico-sportifs qui sont faits dans la région, et la casquette EMS, donc éducateur médico-sportif, au sein de l'UTEP où là je réalise les bilans médico-sportifs. Qu'est-ce qu'un bilan médico-sportif? C'est recevoir un patient qui a été envoyé par son médecin traitant, spécialiste ou généraliste, pour une reprise d'activité physique adaptée. Avant cette reprise, il est bien qu'il ait un bilan qui peut être complet au niveau médical, et ça c'est le médecin qui s'en occupe. Mais après, au niveau activité physique, ça va être le rôle de l'EMS, où il va y avoir une batterie de tests physiques, il va y avoir également un travail, et c'est la plus importante, sur la motivation du patient à bouger plus. Est-il prêt à bouger plus? Si oui, très bien, et ça va aller très très vite avec ce patient-là.
Si ce n'est pas le cas, nous, les EMS, on a tout un travail à faire avec eux pour l'amener à ce qu'ils puissent intégrer une activité physique sur le long terme. On va recevoir le patient, ça va durer 3 quarts d'heure, 1 heure, et à la suite de cet entretien, il y a plusieurs possibilités. Soit donc, il a besoin de travailler un petit peu plus sur l'activité physique en pratique et aussi sur la motivation, et à ce moment-là, on lui propose d'autres séances à l'UTEP. Soit il est tout à fait prêt à prendre une activité physique dans un club et on va l'orienter vers un club sport santé. Quand je dis club sport santé, plutôt éducateur sportif sport santé. On l'envoie dans un club sportif où il y a, David qui se présentera après, un E3S. Donc EMS, éducateur médico-sportif, et E3S, éducateur sportif sport santé. Un éducateur sportif sport santé, à la base, il est éducateur sportif, c'est-à-dire qu'il gère tout bien sa partie et son activité, mais après, il a une spécificité que David vous expliquera. Moi, le travail aussi, ça va être de revoir ce patient-là, s'il y a besoin, à 6 mois, ce qui est très rare, mais surtout à 1 an, pour refaire la batterie test qui a été faite au départ. Et ça a été prouvé, donc il y a des études qui ont été faites par le biais aussi de la faculté de Reims qui nous a aidés, le faire STAPS. C'est bien prouvé que toutes les personnes qui ont repris une activité physique ont amélioré leur qualité de vie au niveau physique, au niveau psychique, au niveau aussi du nombre de minutes qu'ils vont passer à faire l'activité physique par semaine. Au niveau des tests d'activité physique où ils se sont améliorés, que ce soit au niveau souplesse, endurance ou tonicité des membres inférieurs. Que du bénéfice. Donc là, c'est sûr que sur des livres, on les retrouve, mais là, nous, on a du concret, c'est-à-dire qu'on voit un petit peu le résultat qui se passe avec les patients. Autre chose, et David pourra aussi le signaler, c'est l'ambiance qui peut régner dans ces groupes-là. Moi, j'ai un exemple précis. C'est l'ANEC à Chalon, qui a été le premier avec qui on a pu travailler sur Chalon. Et il y a une ambiance avec Isabelle, qui est E3S, éducatrice médico-sportive sport santé, où il y a une réelle ambiance qui se crée et il y a une motivation des patients à faire de l'activité physique. Je prends cet exemple-là parce que une des choses aussi essentielles, on parlait de coût tout à l'heure, l'inscription, c'est 180 euros. Ça freine. D'accord. Il y a eu des arrangements avec le comité régional de natation et avec l'ANEC, donc du coup le coût est beaucoup moins cher. Mais bizarrement, arrivé à un certain point, si on leur disait, je pense, c'est 180 euros au bout de la deuxième année, c'est plus un frein du tout parce qu'ils ont eu tellement de bénéfices à faire de l'activité physique, donc c'est qu'ils y restent sans problème. Donc c'est vraiment cette partie-là de motivation et d'envie qui est vraiment l'élément essentiel pour la reprise de l'activité physique. Donc après on va se présenter tous les trois je pense, puis après on répondra aux questions si vous souhaitez. Donc David, je te laisse pour justement expliquer toi ce que tu fais avec les patients. Je t'en prie. Alors avec en fait, on reçoit les patients donc, dans des structures, c'est des associations dans bien des cas. On est tous en grande partie dans des associations, les E3S. Et quand on reçoit quelqu'un, ils sont passés donc, avec Vincent auparavant. Et ils arrivent avec ce qu'on appelle un livret, un passeport santé, où dessus est répertorié en fait toutes les caractéristiques qu'ils ont besoin de travailler. Donc ça va être les problèmes d'épaule, les problèmes de dos, s'ils ont un problème de cœur. On ne rentre pas dans le détail, on n'a pas le détail bien sûr médical de la personne, mais juste les grandes pathologies qu'on doit savoir pour pouvoir travailler avec eux. Ces personnes ont des créneaux qui leur sont réservés au sein des structures. Mais ces créneaux ne sont pas réservés que pour eux. C'est-à-dire que c'est des structures où on accueille aussi bien n'importe qui vient faire une activité physique, et on les mélange à ces personnes pour justement ne pas les stigmatiser dans leurs problématiques. Ce qui fait que très vite, ils se retrouvent dans un club de sport normal pour eux, il n'y a pas de différence. Et très vite, ils sont très vite baignés dans une ambiance sportive traditionnelle, et ils se rendent compte qu'ils sont à la hauteur de leur activité qu'ils ont choisie. Alors en général, ils sont aussi orientés dès le départ par Vincent et par tous ceux qui font des bilans par rapport à leurs problématiques sur certaines activités. On ne va pas les envoyer n'importe où, faire n'importe quelle activité qui leur correspondra au plus juste. Juste une toute petite aparté, je vous demande, donc moi je travaille sur Chalon, donc j'envoie sur Chalon et j'ai d'autres collègues, j'en ai un sur Charleville qui fait la même chose, j'en ai un sur deux sur Reims et il y en a un sur Chaumont, un sur Épernay. Voilà. Donc c'est vraiment, on essaye de quadriller un peu la région pour justement
pouvoir orienter les patients vers les autres voies. Donc, comme vous l'avez dit, Julie, je suis présidente du comité régional, mais je suis également secrétaire générale de la fédération et à ce titre, présidente de la commission nationale sport santé bien-être. Donc, notre fédération elle est par ses origines très impliquée dans le sport santé. Donc, l'intérêt pour la championnataine, c'est que souvent nos programmes sont expérimentés dans notre région, puisque moi, je veille à ce que les programmes nationaux soient mis en application dans le territoire que je préside. Donc, en tant que dirigeante bénévole, moi, mon souci majeur, c'est d'apporter une formation aux éducateurs pour qu'ils soient capables et compétents pour accueillir ces pratiquants qui ont des pathologies chroniques. Mais c'est aussi de recevoir des personnes en termes de prévention primaire. Moi, je fais bien la distinction entre ce qui est la prévention tertiaire, la personne qui a déjà des pathologies et qui va vraiment avoir besoin d'un éducateur spécialisé. On a mis en place au sein de la fédération des programmes spécifiques pour plusieurs pathologies. On a un programme qui s'appelle Diabète Action pour les diabétiques, Cœur et Forme pour les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires. On a signé un partenariat avec la famille pour sport et cancer, etc. Donc on a un pool d'animateurs qui ont suivi ces formations en plus de la formation de base, évidemment, d'éducateurs sportifs, qui peuvent accueillir des personnes qui présentent ces pathologies, qui sont adressées par le médecin via le réseau après avoir passé des tests auprès d'un éducateur médico-sportif. Mais on accueille aussi dans nos clubs des personnes qui sont simplement sédentaires et qui, à qui on conseille de pratiquer une activité physique pour maintenir leur bonne santé avant d'aller dans la pathologie. Et donc, mon souci, c'est donc de mettre en place des formations et ensuite de développer évidemment mon activité, puisque le principe même des fédérations sportives, c'est de développer ces associations et non de ces pratiquants. Donc, j'insiste beaucoup sur la pratique d'une activité sportive en association, parce que la bonne santé, c'est pas seulement physique, c'est aussi psychique, hein, selon l'OMS. Et tout le lien social amené par la pratique dans une association et toute cette richesse due aux échanges et à la valorisation de la personne, etc., qui se retrouve, comme expliquait David, au sein de personnes sans pathologie quand on en a une, ou qui pratiquent déjà depuis un moment quand on est sédentaire depuis longtemps, c'est vraiment très riche. Donc moi, je mets des actions en place en direction des dirigeants de mes associations pour les inciter à entrer dans le créneau sport santé et pour un petit peu vulgariser tous ces termes, parce qu'on s'est quand même heurté à des présidents de clubs qui disaient on n'est pas des établissements de soins, à des éducateurs sportifs qui disaient on n'est pas des infirmiers. Il fallait expliquer à toutes ces personnes que ça ne changeait rien à l'activité qu'ils pratiquaient d'habitude, puisque de toute façon, il y a autour des formations adaptées et des bilans et des évaluations régulières. Donc c'est vrai que j'incite les clubs et j'apporte par ce biais la qualité qui est nécessaire à l'accueil des personnes dans le sport santé, hein. Avoir un accueil personnalisé, une évaluation régulière, motivationnelle surtout, et puis assurer que la personne qui encadre est formée dans des lieux sécurisés, etc. Voilà. Donc c'est ça, moi, mon approche. Et après, je reviens sur l'aspect financier. C'est vrai que il y a un coût que dans certains territoires de la région ne peuvent pas ne pas prendre en compte la précarité. Donc ce que je fais aussi en tant que dirigeante, c'est que je démarche des financeurs autres que ceux dont on a l'habitude dans le milieu sportif, à savoir l'État, les collectivités territoriales.
je me rapproche de l'assurance maladie, des mutuelles, mais aussi, et on n'en a pas du tout parlé, des entreprises, en sachant que il va y avoir une obligation bientôt que les entreprises aient une mutuelle à proposer à leur personnel, et ces mutuelles, on en a rencontré plusieurs, ont des objectifs à observer de prévention. Donc peuvent offrir aux entreprises qui prennent des contrats chez elles les possibilités de mettre en place dans l'entreprise du sport pour les salariés. Donc j'invite le mouvement sportif à ne pas oublier cette voie de mettre à la pratique sportive des travailleurs qui sont dans ces entreprises. On parle de financement, peut-être Vincent peut nous donner quelques outils sur le mode de financement des bilans, comment est-ce que ça fonctionne? Alors tous les bilans médico sportifs qui sont faits dans les UTEP sont ne coûtent rien. Enfin, ne coûtent rien, c'est le rôle des UTEP. Par contre, après, tout ce qui va être l'exemple qu'on va avoir à Reims, c'est le bilan médico sportif du centre médico sportif où là. Florent Brie, il est rémunéré pour faire ces bilans-là. Donc, quand il y a une différence entre ce qui va se faire dans le public et dans le semi-privé, le public s'arrête dans nos missions. C'est-à-dire que le fait de prendre des patients pour la reprise d'activité physique qui sont porteurs de pathologies chroniques la plupart du temps, et s'arrête dans les missions des UTEP de travailler sur la reprise de l'activité physique adaptée pour ces personnes-là. Et après, pourquoi pas leur proposer aussi un programme d'éducation suivant leur pathologie, que ce soit du diabète, la bronchite chronique, de l'asthme, de problème d'obésité ou autre. Donc voilà, donc, par rapport au financement de ces créneaux-là, ça fait c'est les deux choses qui se font en ce moment. Il y a le financement de des bilans, mais aussi le financement de la pratique. Alors, ce qui existe dans certaines fédérations, c'est qu'il y a des ateliers qui permettent d'amener la personne à un niveau qui permette qu'elle aille dans un club avec les autres pratiquants, mais on ne peut pas la mettre d'emblée comme ça dans le club, parce que ça la démotiverait plus qu'autre chose de se retrouver à côté de gens beaucoup plus performants. Donc, il y a cette prise en charge des ateliers, souvent on arrive à négocier avec des partenaires, c'est des séances qui peuvent aller entre 3 et 6 mois, et puis après les gens sont dirigés dans un club. Mais il y a après la pratique dans le club, on disait du 180 euros, c'est une moyenne que j'avais aussi estimée, ça sert essentiellement à rémunérer l'éducateur sportif, sport santé, parce que évidemment on les forme, on développe nos associations, mais on souhaite aussi offrir de l'employabilité aux gens qu'on forme, hein, et pas seulement un diplôme. Donc il faut que derrière il y ait la possibilité de le rémunérer, et ça coûte à peu près 180 euros par an pour un pratiquant, dont un peu d'une quinzaine de personnes. Donc c'est cette prise en charge-là, avant que la personne elle soit complètement convaincue que c'est de l'argent utile parce que ça lui apporte un mieux-être, qui pose problème auprès de populations précaires qui sont aussi dans l'anglais les plus à risque de pathologie, rien que par le fait qu'elles soient précaires. Et c'est là où il est important qu'il y ait des financements complémentaires, alors, soit par les mutuelles, soit par les collectivités, soit par des contrats, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment un problème qu'il faut prendre en compte, parce que cette pratique-là, elle peut être prise en charge, mais en tous les cas, pas gratuite. Je voudrais quand même intervenir sur ce que vous avez dit sur la prévention primaire, et faire le lien avec ce que je veux dire en tant que pédiatre, par exemple, les jeunes qui n'ont pas de pathologie chronique, même si certains en ont, c'est comment, parce qu'on a fait tous le bilan dans Champagne-Ardenne, que la pratique sportive chez les jeunes n'est pas toujours, par rapport à d'autres régions de France, on est quand même en dessous d'une moyenne par rapport à d'autres régions de France. Donc il nous a semblé important, lorsqu'on a fait ce constat-là tous ensemble, c'est comment aider les jeunes à avoir une pratique sportive, en particulier là où ils s'étudient, dans le milieu scolaire,
quand ils sont lycéens, quand ils sont apprentis, donc vraiment leur cursus d'éducation, éducatif. Et c'est pour cela que nous, on a mis en place, et ça va être opérationnel dès ce mois-ci, au mois de septembre, où on a, vous savez qu'on a une carte ICO avec la partie culturelle, la partie scolaire, et depuis là, le mois de septembre, un crédit sport pour justement, dans le cadre des études, que ce soit public ou privé, eh bien, on crédite une aide à l'acquisition d'une licence sportive. Donc là, on est vraiment dans ce que tu disais, comment on met en place, même quand on est jeune lycéen, etc., ou apprenti, eh bien, la nécessité d'avoir une pratique sportive. Et donc, on rejoint l'action en prévention primaire chez cette population jeune de notre région. Donc voilà, nous a semblé utile de faire ce lien dès maintenant. Donc c'est certes un crédit de 10 euros sur la carte. En gros corollaire, il ne faut pas que les lycées proviseurs augmentent le coût de la licence. Voilà. Ce qui a été fait dans quelques lycées de la région, et heureusement, le recteur, le recteur a fait sa lettre circulaire à tous les proviseurs de la Champagne-Ardenne pour expliquer la philosophie de cette mesure. Voilà, donc on remercie le recteur pour sa démarche, voilà, parce que c'est ensemble, entre le monde éducatif, scolaire et nous, collectivités, que l'on peut essayer de mettre en place quelque chose d'intelligent et qui puisse être utile par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Alors, ce qu'on a cherché dans la fédération, parce qu'il y a la région Champagne-Ardenne qui est très en avance, comme deux autres régions en France, mais quand moi je suis à l'échelon national, ça n'est pas du tout sur tout le territoire, donc on met des mesures en place nationales. On a créé une charte de club, la charte santé, qui sera lancée officiellement au mois d'octobre et qui est plutôt, par rapport au label, une incitation à entrer dans la démarche pour l'association sportive où on demande un tarif adapté. On demande au club aussi de faire un effort pour diminuer ses tarifs d'adhésion. Ça demande de l'argent proprement dit, avec un peu de problème, c'est clair. Pour rebondir sur autre chose, pour rebondir sur un sujet d'actualité quand même, c'est les rythmes scolaires. Et là, il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'on a autour de nous des pays européens bien connus, qui ont des rythmes scolaires très différents des nôtres, et qui permettent une pratique sportive, je dirais, beaucoup plus développée. Alors, on vient de gagner, si je regarde bien, si j'ai bien compris, hein, parce que je suis spécial assez loin, mes enfants sont plus en âge de rythme scolaire quasiment. Mais si j'ai bien compris, les enfants gagnent globalement 45 minutes 4 fois par jour, c'est-à-dire lundi, mardi, jeudi, vendredi, ils gagnent 45 minutes. Bon, d'ailleurs, le grand débat, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire, combien ça va coûter, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur offrir. Il y a peut-être un créneau là, parce que c'est peut-être le créneau pour dire à 15h45 tout s'arrête. Parce que ce qui serait souhaitable, si on veut vraiment tourner la page vers ce qui, d'autres expériences européennes par rapport à ça, l'Allemagne, c'est quand même quand j'ai 55 ans, mais il y a déjà 40 ans que j'étais sportif, je voyais des nageurs allemands du club de Neuss, parce que Chalon était déjà marié. On s'est toujours marié Non, on n'est plus marié avec Neuss en matière de natation, on rencontrait Neuss tous les ans. Donc ça nous permettait de voir un petit peu comment ça se passait concrètement avec les jeunes nageurs qui étaient de Neuss. Et effectivement, apparemment la scolarité s'arrêtait à 13h, 13h30, on prenait une très brève collation, et à 14h, ils étaient sur les terrains de sport, de tennis, de foot, dans les piscines. Ils sont autant d'ingénieurs que nous, autant de médecins, autant de cadres, autant d'ouvriers bien formés, je pense. Et voilà, donc on n'est pas nous dans cette option-là. Il y a peut-être encore des choses à débattre, à discuter par rapport à ça, mais je pense que les horaires, en tout cas, on l'a tous vécu en tant que parents, les horaires d'une activité physique et sportive, du fait que la scolarité se termine à 16h30 ou 17h, c'est pas un élément. Quand ensuite on est dans le secondaire, c'est 18h. Voilà comment les jeunes peuvent-ils pratiquer une activité physique qui, sans être une activité intense de 2 heures, une ou deux fois par semaine, devrait être plutôt être du domaine d'une heure, voilà, trois quarts d'heure, une heure, chaque jour. Moi, je joue. Ça m'interpelle. Alors, sur la création des créneaux et la mise en place des créneaux, que ce soit pour les enfants ou là, sur les adultes, sur les sports santé plus particulièrement, Daniel Lelon, je voudrais que vous
présentiez un petit peu comment est-ce que le sport santé est accepté dans la situation dans laquelle vous travaillez, si les dirigeants sont d'accord pour l'intégrer dans le projet associatif, ou est-ce que c'est une démarche assez compliquée, ou comment est-ce que ça se construit? En général, c'est une démarche déjà qui vient autant de l'éducateur que de l'association. L'association, dans un premier temps, peut y voir un avantage d'être connu et après de pouvoir garder le pratiquant au sein de son association. C'est quand même un des combats des associations, c'est de faire rentrer les gens chez eux. Après, il y a aussi tout le côté, bien sûr, santé et bien-être qui les intéresse beaucoup, parce que ça leur parle directement. Et comme en général, je parle pour ceux que je connais, bien sûr, ceux que je connais le plus sur notamment Champagne-Ardenne à Reims, on a un soutien avec la mairie de Reims sur ce type d'activité qui va permettre aux associations d'ouvrir au moins un ou deux créneaux au sein de leur structure, qui est en partie financée, on va dire, pour l'éducateur. Ce qui permet aussi, en même temps, d'intégrer des cours plus spécifiques à ces associations et d'ouvrir plus de créneaux qu'ils l'auraient fait naturellement tout seul, parce que tout seul, ils n'auraient pas les moyens, bien évidemment, de le faire. On reste encore sur un coût, un coût financier. Sinon, il y aura beaucoup plus d'associations qui seraient moteurs sur le sujet. Ça, c'est sûr. Et c'est très, très bien amené, très, très bien vécu. Ils sont plutôt tous très intéressés pour pouvoir se lancer dans cette démarche. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est définitivement derrière ça. Voilà. Ça va être. D'accord. Et Vincent, sur les liens que tu peux avoir avec les associations, comment est-ce que ça se construit? Comment est-ce que tu décides ou proposes tel ou tel autre créneau à un patient? Après, ça va vraiment être la sensibilité du patient. S'il veut faire telle ou telle activité, ça m'est arrivé de proposer plusieurs activités à un patient qui a été testé une ou deux fois, puisqu'on a la chance que les clubs et les associations proposent une ou deux séances gratuites d'essai. Et qu'après il puisse choisir son activité, mais en général, souvent c'est les gens aiment marcher, donc ça va être plutôt marche nordique, ça va être plutôt relaxation, détente, donc on va partir sur des exercices plutôt yoga, relaxation, et tous ceux qui vont l'eau, c'est très... C'est on aime ou on n'aime pas, on n'a pas, j'ai essayé, je sais pas, c'est bon, c'est oui je vais aller à la piscine, non je veux pas y aller. Donc après, les différentes raisons du non, je ne peux pas y aller, c'est j'ai peur de l'eau, je ne sais pas nager et je ne vais pas montrer en maillot de bain. Le je ne sais pas nager, on arrive à passer outre, puisqu'on a la chance d'avoir des activités qui sont les gens au pied. Par contre, j'ai peur de l'eau et je ne veux pas me mettre en maillot de bain, il y a tout un travail à faire avec ces personnes-là. Et sinon, bah après, pour toutes les autres activités qu'on peut avoir aussi sur Reims, comme tout ce qui est activité aquatique, enfin sur le niveau bateau, au niveau et aussi au niveau tennis. Là, c'est vraiment, il faut vraiment qu'il y ait une sensibilité pour ça. C'est très compliqué d'orienter des personnes d'un certain âge dans des activités un peu de ce type-là. Voilà, plus technique. Ouais. Par contre, les personnes qui vont être dans les 30-40 ans, vont 45-50, vont avoir plus de l'envie de justement de faire une activité un peu plus ludique, un peu plus technique. C'est peut-être dans ce créneau-là, pour les gens qui n'ont pas envie d'apprendre des trucs, que le PLM trouve sa place, dans le sens où les activités peuvent être accessibles pour tous et par tous. C'est ce qu'on appelle un peu les activités physiques adaptées, quoi. C'est sûr que le sport santé, au départ, on ne va pas le pratiquer pour faire de la performance. Hein. Mais il y a toujours une performance avec soi-même, hein, pour essayer d'arriver à un certain niveau, mais pas forcément compétitif, quoi, hein. Donc c'est vrai que dans les disciplines traditionnelles ou pendant... de nombreuses années, les objectifs pour les disciplines sportives, c'était de faire des médailles. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté des dirigeants d'aller dans ce créneau du sport santé, sport loisir. Et puis il y a d'autres fédérations qui ne pratiquent pas la compétition et qui depuis toujours font un sport bien-être. Et bien sûr, enfin, béni pour elles, qu'il y ait cette prise de conscience que le sport, c'est plus quelque chose qui abîme la santé, mais quelque chose qui la préserve et l'améliore. La frontière avec ce qu'on parle du sport de niveau, sport pour tous, sport santé, pardon, il y a l'intermédiaire qui est sport pour tous.
quel processus d'intégration vous mettez peut-être en place, que ce soit David ou même Charlie, pour passer du sport santé au sport pour tous? Quelles sont les possibilités pour les pratiquants? Une fois que la pathologie, si c'est une pathologie chronique, il y a en principe pas de problème pour intégrer un groupe de pratiquants sport pour tous. Il suffit juste d'amener la personne à un niveau de pratique régulier pour qu'elle puisse intégrer un groupe qui, lui, pratique régulièrement sa pathologie. Ce qu'on peut appeler un peu les créneaux passerelles, c'est-à-dire les ateliers passerelles, on va orienter, nous les EMS, on va orienter vers les clubs avec les éducateurs sportifs, sport santé, dans l'objectif qu'ils y restent un an, voire deux, qui est exceptionnel, mais c'est là où il y a encore un travail à faire là-dessus. Pourquoi? Parce que les gens, je reprends encore l'exemple de l'ANEC, les gens à l'ANEC se sentent tellement bien qu'ils veulent rester entre eux. Donc il va falloir démultiplier le nombre de créneaux à l'ANEC. Mais c'est juste pas possible de démultiplier le nombre de créneaux de piscine. C'est plus facile dans des ateliers, dans des activités comme à l'EFSRA, comme d'athlétisme à Reims, où là ils peuvent garder des créneaux et démultiplier, c'est un peu plus facile. On a vécu ça aussi. Les gens créent des groupes et puis après ils veulent rester entre eux, ils ne veulent pas aller rejoindre une association existante. Et donc pour répondre à ça, c'est vrai que dans nos activités géniques, c'est facile. On a un club support et puis ça fait des sections. C'est plutôt l'animateur qui se déplace, plutôt que la personne. Tout à fait. Tout dépend du type d'activité, mais c'est vrai que ça peut être cette solution-là. Il ne faut pas avoir besoin d'équipements très spécifiques pour ça, parce que les équipements, il n'y en a pas partout et puis ils ne sont pas extensibles en une journée qui est quand même. On va peut-être laisser un petit temps d'échange si vous avez des interrogations. Complément d'information, vous avez parlé de finances tout à l'heure. Pour un club, comme je suis président du club sans dire, on a aussi une chance de pouvoir déclarer ça aussi à des expositions ou pas, qui permet de payer une partie des frais qu'il peut y avoir, même si on réduit la licence, on va y avoir cette finance-là. Il y a d'autres finances territoriales, il y a beaucoup de gens qui essaient de nous aider, qui veulent rentrer dans le contexte. Il ne nous manque plus que les médecins, je dirais presque, je disais tout à l'heure, il ne nous manque plus que les médecins qui soient à 200% pour et qu'on remplisse. Moi, si demain, je disais, je ne suis pas très haut, c'est vrai qu'une piscine, elle a la taille qu'elle a. Quoi. Et puis, on a ce qu'on peut avoir. Déjà, quand je mets 18 personnes dans la piscine, que pour le savoir, le sport santé, donc, enfin, on appelle ça le savoir nager, la santé. 18 personnes, c'est énorme déjà. Deux ans, le gros avantage, et c'est ça que les clubs ne voient pas, on n'est pas là pour faire du bénéfice sur cette personne-là. Mais par contre, si on peut les faire continuer derrière sur l'aquaforme, enfin du l'aquagym, sur l'aquaforme et choses comme ça, effectivement, ils peuvent se réintégrer. Comme tu disais tout à l'heure, l'avantage qu'ils ont quand ils ont une bonne ambiance, ils s'intègrent très facilement, tu l'as dit aussi. Ils sont avec la masse, quoi. Dans une piscine, on est tous ensemble. Il y a des compétiteurs comme les gens qui sont là en choisir. Ils sont tous ensemble. Et à un moment donné, ils voient bien qu'ils pourraient aller à côté. Et ça, c'est une fois qu'ils peuvent y aller, au bout d'un an ou deux ans, on arrive à classer là, malgré qu'ils aient une pathologie. Donc, je voulais quand même appuyer là-dessus, sur la finance, sur ça, et puis effectivement, il faut mettre de l'huile de coude, et qu'il y a obligation. Pour moi, obligation que le président ou le comité directeur du club soit à 100% avec les soins indicateurs. Sinon, ça ne marche jamais. C'est ce qui s'est un peu principal. Lorsqu'il y a eu les différentes formations avec le cross, le DOS, c'est un petit peu ça. Il y avait des clubs qui n'étaient pas. Qui ne voulaient pas, les éducateurs y sont allés, mais derrière, il n'y a rien eu qui a été mis en place. Oui, donc on a beaucoup de gens formés et des fois, peu de gens qui sont... Pour appuyer ce que vous avez dit aussi, c'est le fait de formation, pour oublier que les formations professionnelles, c'est vrai qu'un éducateur chez nous, il est probablement professionnel, il peut venir, voilà, il est embauché par le club. Donc la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que ces formations sont dans l'horizon, puisqu'elles sont, elles ont un diplôme non plus fédéral ou autre, ne soit pas pris par les OPCA, ça s'appelle tout ça. Parce qu'on paye nos OPCA, mais par contre, ça, on n'a pas le droit. Voilà. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Guy par rapport aux médecins prescripteurs, et je pense qu'il serait vraiment très important, la formation elle est diffusée aux professionnels de santé, mais il faut qu'il y ait une reconnaissance des éducateurs par les professionnels pour qu'ils aient une réponse.
temps, parce que c'est vrai qu'ils ont une responsabilité d'adresser un patient vers un club, même s'il y a une tête entre les deux, mais pas toujours. Quoi. Il y a des fois où il n'y a pas besoin de faire... Concrètement, tous les médecins, par le biais de leur cotisation URSSAF, cotisent une fois par an, je ne sais plus quelle est la somme, 130 euros si mes souvenirs sont bons, tous les médecins libéraux cotisent sur l'ordre trimestriel de cotisation URSSAF, on voit paraître une ligne, c'est 130 euros qui vont à l'URPS. Donc l'URPS a le fichier de la totalité des médecins libéraux, je ne suis pas bien là, on a un bulletin d'information qui est édité au mieux trois fois par an et on peut passer dans ce bulletin de l'information. Alors il se trouve que le président n'est pas à l'URPS, mais on a déjà, par le biais, on avait par contre, l'URPS avait un représentant, un extraordinaire représentant qui vient de prendre sa retraite, enfin qui a certaines envie. Le docteur Brunet de Bourbon, qui était vraiment un fer de lance, je pense, a fait tout ce qu'il a pu en tant qu'élu URPS pour qu'effectivement de l'information soit diffusée en pleine page dans ce bulletin que les médecins lisent ou ne lisent pas. Il n'est pas très ludique, hein, donc il faudrait que pour sortir voilà, au hasard d'une belle plaquette comme ça, ou les belles plaquettes qu'on sort, je pense qu'il y a des moyens financiers assez importants et que. Une structure comme la nôtre, bah, pour une plaquette qui est très ludique. Donc, moi, le premier, avant d'être élu et impliqué, c'est toujours la même chose. Tant qu'on n'est pas impliqué, on reçoit un document, on en reçoit 15 par mois. On a tellement de choses, on n'a pas le temps de lire les journaux professionnels qui nous permettent de nous former. On a la tête dans le guidon au bon moment de nous du matin au soir. Et je suis pas sûr que tout le monde lise bien la plaquette de l'URPS. Moi-même, le premier, je ne la lisais pas avant d'être, avant d'être élu et découvrir les mines d'informations qu'il pouvait y avoir, que diffusent les différents réseaux, parce que le réseau périnatal, le réseau sport santé bien-être, le réseau carédial, enfin tous les réseaux qui tournent autour de la santé, de la pathologie, ont ce moyen de diffusion, puisque l'URPS a un représentant dans chacune de ces structures-là. Et ça, c'est le premier élément. Après, qu'est-ce qu'a fait le docteur Brunet? Ben, je crois que c'est un garçon très dynamique qui, jusqu'à la fin de son exercice professionnel en tant que médecin libéral, prenait sa casquette le soir pour aller dans les EPU de médecins, présenter un bébé qui est quand même récent, réseau sport santé bien-être. Combien 2008. On a commencé à en parler, enfin. Voilà, mais concrètement, je crois que c'est 3 ans. 2009. Moi, j'y suis depuis 2009. Un an et demi, donc voilà. Je pense que c'est une machine qui se passe à mettre en route, en tout cas à laquelle on doit contribuer, parce que je suis tout à fait conscient, je pense que l'ensemble des médecins sont tout à fait conscients, enfin, ils ne sont pas conscients de tout ce qui aujourd'hui est à la disposition. Je l'ai découvert, moi, très, très honnêtement et très sincèrement, j'ai découvert ce travail évident qui se mettait en place pour véritablement quelque chose d'une qualité en tout point remarquable. Je pense que ça, donc passer son temps à répéter aux collègues, il existe des choses avec des gens qui sont formés et qui permettent, voilà, qui devraient permettre effectivement de faire des choses. Alors, je ne sais pas, peut-être que Vincent peut nous dire, est-ce que les chiffres de l'activité du bilan est en stagnation, progression, régression? Tout dépend du secteur. En progression sur Reims, en stagnation sur les autres territoires. Certainement grâce à l'aide. Ah voilà, voilà. J'allais faire le lien justement et nous expliquer justement ce qui se passe à Reims et pourquoi on est en progression à Reims et que notre éducateur médico-sportif Florent croule sous les demandes au centre médico-sportif. Et je pense, ben, si je peux me permettre, c'est de laisser la parole donc, à Reims. Justement faire la liaison entre ce qu'on est en train de dire, pour vraiment vous nous expliquer un petit peu. Juste avant, si je peux me permettre, donner la parole au docteur Rion de Jeunesse et Sport, qui puisse aussi s'exprimer sur le sujet, puisque vous êtes les acteurs principaux du sport santé avec le réseau et puis le conseil régional. Non, bah moi je suis très heureux de ça, avec l'ensemble des partenaires, de dire qu'un lien tous les ans peut être mis en place pour parler, pour communiquer sur ce point-là, parce qu'on n'a pas beaucoup communiqué sur ce point-là. Avec le plan régional, c'est vrai qu'il faut communiquer,
idées, hein, et ça retient le débat. Ouais. On sait faire, mais faire savoir, c'est important aussi. Donc moi, je suis très heureux d'entendre tout ce que j'entends là, bien sûr, et dire que les acteurs se mettent autour de la table pour dire que chacun va apporter sa contribution sur le plan territorial, sur le plan régional, sur le plan départemental. Moi, ça me fait très bien, et à moins de Stéphane, bien sûr, c'est... Et le rendu vis-à-vis de Jean-Paul Brûlé, ce nouveau dinar, qu'on dit dinar B, ou dinar... Je l'ai mis en liaison avec le conseiller technique national chargé de l'aviron, donc vous saurez, sachez que pour les clubs dans la région, Jean-Paul Brûlé travaille déjà avec le conseiller technique national de l'aviron, donc il y aura un lien direct avec et puis les autres clubs, évidemment. Voilà, je pense que d'ici la fin de l'année, il y aura un comité de pilotage du plan régional sport santé bien-être, et j'espère qu'autour de la table, il y aura toutes les institutions, ARSDR, collectivité territoriale, pour la remise des labels était, je pense, un événement important, où on avait le conseil régional, on avait la ville de Reims. Les collectivités territoriales, ça part du club, donc ça part de, même s'il y a un parcours avec le médecin, etc., ça part du club, donc il faut que les acteurs autour du club soient présents, et la dynamique locale est très très importante. Et l'agence régionale de santé, vous direz que le contrat local de santé qui a Reims, est, je pense aussi, un des éléments qui a fait travailler ensemble le secteur du sport et le secteur de la santé, et ça c'est vraiment très très très, très intéressant. Une remarque pour rebondir sur ce que tu dis, mais une question comme ça, hein. Il me semble quand même qu'un certain nombre d'entre nous ont passé en leur temps un diplôme qui s'appelait CES de médecine du sport. Je pense qu'un certain nombre de confrères, bon nombre de confrères, ont ce diplôme, ils l'exercent ou ils ne l'exercent pas dans le cadre de leur exercice général. Peut-être que ça pourrait être de la part de, je ne sais pas, est-ce que vous avez, je ne sais sport, le listing des médecins du sport de... Alors c'est une très 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 bonne remarque. J'étais jusqu'à l'ancien président du syndicat national, donc ça n'a pas beaucoup. Je me culpabilise un peu parce que tu as raison, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a l'association régionale de médecine du sport qui est présente, qui se dirige tout doucement vers, qui est un acteur du plan régional sport santé bien-être. Et je pense que la compétence du médecin du sport, elle est intéressante parce que tout médecin traitant peut cocher sur la demande du réseau. Je veux une consultation auprès d'un médecin du sport, parce que finalement c'est un domaine que je ne maîtrise pas bien. Et je pense qu'au niveau régional, il y a possibilité de trouver une plus-value qui va être apportée sur le lien dans nos centres de médecine du sport, parce que ceux-là sont groupés. Est-ce qu'ils ont tous bien l'information de ce qui est en place? Les médecins du sport eux-mêmes? Tous les diplômés. Je dis bien, tous les médecins diplômés ont bien de médecine du sport. Alors on n'a pas un truc très rigoureux, parce que malheureusement ce n'est qu'une expertise particulière, la médecine du sport, c'est pas comme les pneumologues. C'est constitué le conseil, alors ça c'est un peu technique, le conseil national professionnel de la médecine du sport s'est constitué très récemment, c'est Pierre Rochefranguard qui est le médecin du football, qui est le président. Donc ça veut dire qu'il va être reconnu une sorte d'expertise particulière, mais qui va se faire au travers d'une spécialité. Donc est-ce que c'est de la rééducation, est-ce que c'est de la... C'est compliqué, hein. Bonjour, il voit très bien de quoi je vous parle. Il faudrait monter un kit qu'on mettrait à disposition des présidents des FNC et puis leur demander d'intégrer ça dans leur programme pour espérer toucher à peu près 30% des médecins généralistes. Il a utilisé la plaquette du réseau quand même, qui est une plaquette qui est relativement bien faite, explicite. Et ça doit être resté local, quoi, parce que je ne pense pas qu'il soit allé sur tout. Alors Jean-Paul Brûlé, moi j'ai des retours effectivement, ça a marché de manière remarquable et ça pourrait être un des objectifs du réseau, c'est-à-dire on a une personne, le mieux c'est un professionnel de santé bien évidemment, qui rencontre les médecins, qui informe sur les outils, qui montre les outils, qui explique comment se font les bilans, etc. Et ça marche, Jean-Paul Brûlé l'a fait très bien et je pense que le résultat sur Reims, c'est aussi bien sûr le travail qu'avait Jean-Paul Brûlé sur Reims. Et c'est vrai que Reims, on a une grande histoire avec le sport. Et on a une grande ambition aussi pendant ce mandat au niveau sportif. Déjà, des lieux pour pratiquer le sport pour tous, le sport santé. Nous avons un grand complexe que nous sommes en train d'étudier et on réfléchit aussi sur les différentes activités qui pourraient intéresser le sport santé, notamment autour de tout ce qui est aquatique, bien sûr. Nous avons aussi de grands projets autour du parc de Lagrange, sur la coulée verte. Nous avons déjà d'ailleurs installé des aires de sport intergénérationnelles aussi dans le parc de Champagne.
Donc en fait, nous avons une grande volonté populaire aussi de communication au niveau du sport. Et effectivement, le réseau Sport Santé nous intéresse énormément. Nous avons fait une convention avec tous nos partenaires et nous avons un slogan, Reims, sportez votre santé. Le but est de simplifier au maximum en fait, le parcours pour les Rémois. Que le cheminement soit le plus simple possible, qu'ils aient le choix à la fois d'aller dans un premier temps, lorsqu'ils ont l'information, d'aller auprès de leur médecin directement, ou s'ils le souhaitent, auprès du médecin qui est dans notre salle Renétis, au sein de l'Office des Sports. Et ensuite, il y a un cheminement, effectivement, qui est très fléché pour ensuite intégrer les associations qui sont aidées financièrement dans le cadre de cette convention à hauteur globale de 24 000 euros. Donc les créneaux sport santé sont financés directement par la ville de Reims et le coût est vraiment très modique pour les Rémois qui utilisent ces créneaux. Alors la ville accompagne à la fois les Rémois dans ce dispositif et nous avons aussi un objectif au niveau des personnes âgées et créer un passeport Reims 3S qui ouvre un ensemble d'activités sportives de loisirs réservées aux seniors. Alors ça se fera dans le cadre du sport santé aussi. Il y a aussi des projets d'évolution possibles, par exemple en partenariat avec l'Agence régionale de santé, l'habilitation tertiaire et primaire, pourquoi pas un partenariat avec la région Champagne-Ardenne pour la prise en charge de formation des éducateurs sport santé. Et l'ouverture du dispositif à des publics plus jeunes autour du périscolaire. Donc voilà, bref, le dispositif que nous avons mis en place autour de cette convention, notamment avec le Conseil général, nous permet de simplifier énormément la démarche auprès des Rémois et de communiquer sur l'ensemble de ce dispositif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, j'espère que ça suscitera des vocations pour d'autres collectivités. Le début, et dire quand même qu'il y a une situation un petit peu particulière en milieu rural et qui n'est pas forcément prise en compte, hein, il a bien compris, la ville de Reims accompagne des sports plus importants qui ont peut-être la capacité, eux, d'intégrer une particularité sport santé parce qu'ils ont suffisamment d'adhérents, déjà un collectif de direction qui est solide. Donc à Bouzy, on a fait un petit peu une démarche un peu inverse, au sens où c'est la commune de Bouzy qui a eu la première démarche, comme la commune de Reims s'apprête à le faire modestement, nous l'avons déjà fait il y a quelques années, avec la construction d'un complexe sportif dans lequel on a intégré immédiatement la part sport santé, et notamment avec une salle de remise en forme qui a été aménagée avec l'aide des services de la DRJS CDP. Et qui fonctionne admirablement bien, puisque nous avons une personne qui était formée par le CREPS sur les sports, sur les métiers de la remise en forme. Et nous avons 120 à 130 adhérents qui viennent chaque semaine, une heure par semaine, et qui participent à hauteur de 5 euros, avec des groupes qui sont constitués entre 5 et 6 personnes, qui sont constitués à la fois par affinité et à la fois par forme. Et donc, sur ces créneaux, on accueille à la fois des personnes très âgées, on accueille des personnes en situation de handicap, on accueille des jeunes, et on accueille une population depuis 2 ans maintenant. Les créneaux sont renouvelés d'année en année, et chacun maintenant est très proche de regarder son créneau. Je voudrais simplement dire aussi par rapport au, comme vous disiez tout à l'heure, et dernièrement, comme partenaire avec lequel nous travaillons beaucoup, c'est Lisette Lufolette, qui est présente ici, donc ils sont bien implantés pour dire que la démarche du Conseil régional d'ouvrir, certes, l'UNSS, c'est intéressant,
mais il y a toujours tous les enfants qui sont scolarisés en milieu rural, qui n'ont pas forcément envie de retourner encore dans leur collège, et qu'il y a peut-être une réflexion à faire pour éventuellement inviter les professeurs à se délocaliser dans des endroits où il y a des équipements, parce que c'est une réflexion par rapport aux jeunes. Je m'excuse, j'attends un petit peu, je termine, je vais laisser la parole. Et je voulais aussi dire que nous avons réussi à nouer des partenariats avec l'Éducation nationale. Merci pour ce beau témoignage. Oui, moi je me lève parce que je suis petite. J'aurais témoigné de l'intérêt justement de la troisième branche d'appartenir au réseau, qui est le CIS, le collectif interassociatif sur la santé, qui est donc des associations de patients malades et associations familiales. L'intérêt, c'est qu'on représente différentes pathologies diverses et variées, qui vont aussi bien de la ligue, problèmes insuffisants rénaux, diabète, handicap psychique, enfin, vraiment c'est des troubles, des handicaps très variés. Donc nous avons été associés à la création du réseau depuis ses débuts, et c'est vrai que nous en sommes acteurs et nous en sommes assez fiers. Mais ce que nous voudrions maintenant, c'est vrai qu'on a vu que le réseau se développait essentiellement en Marne, essentiellement dans certaines grandes villes, mais le réseau sport santé bien-être, ça doit être champ pardonné. Et c'est vrai que nos associations, qui sont, on est au nombre de 38, qui ont un maillage régional, quelque part, elles piaffent un peu l'impatience, parce qu'on a des patients qui vont être au fin fond des Ardennes ou au fin fond de la Haute-Marne, qui aussi aimeraient faire des activités sportives. Et pour l'instant, bon, il faut prendre exemple sur la Marne, hein, avec le Conseil général qui s'est fortement impliqué, avec la ville de Reims, qui s'est fortement impliquée. Donc du coup, il ne faut pas oublier non plus toutes ces populations autour. Donc on n'est encore que le début, mais on est vraiment en attente. Deuxièmement, nous avons des exemples très concrets avec des pathologies particulières où vraiment les gens se sont lancés dans des pratiques de sport adaptées et ça leur convient très bien. Et même, nous allons faire, là, dans le cadre de l'ARS et du CEPOM avec le réseau, une étude qualitative très fouillée pour savoir vraiment est-ce que ça a enlevé des médicaments, comment on s'est mieux porté en pratiquant le sport au bout de quelques années. Donc on va sortir une étude là tout à fait prochainement. Et puis pour dire aussi que les associations, ben, ça peut être aussi un appui financier, puisqu'on a des associations comme la Ligue ou comme l'association des diabétiques qui ont quand même quelques moyens financiers et qui pour elles, quand un patient veut pratiquer un sport, prennent quasiment complètement en charge la pratique sportive. Donc c'est aussi des partenaires financiers importants. Écoutez, j'étais très heureux de partager avec vous ces témoignages et ces éclairages concernant le sport santé, la santé par le sport. C'est un sujet qui progresse, Betty Charlier l'a évoqué tout à l'heure. C'est un sujet que nous partageons au niveau du mouvement sportif à l'échelle nationale. C'est très bientôt, dans une dizaine de jours, l'opération nationale Santé au sport qui a trouvé un écho au niveau du pouvoir public, au niveau de l'État. Également au niveau de la Commission européenne. C'est au niveau local, à travers le travail que le Comité général olympique et sportif et ses composants, ce comité départemental olympique et sportif et les autres branches intéressées, que sont l'URPS et le CIS, ça nous a permis de construire ce réseau qui ne peut être qu'un travail d'équipe. Le sport santé, on l'a bien vu aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez diversifié, d'assez complexe et qui mérite qu'on puisse tous travailler ensemble et dans le même sens. À travers le travail qui est mis en œuvre avec les collectivités territoriales, localement, les petites initiatives, à travers le travail qui est également fait avec les services de l'État, la DRGSCS et l'Agence de santé, qui ont à construire, ça va bientôt arriver, ce plan régional sport santé bien-être, qui devrait nous permettre de pouvoir apporter, c'est en tout cas l'espoir et l'ambition que peut avoir le mouvement sportif, plus de visibilité, un dispositif qui est quand même un petit peu complexe, aussi bien pour les usagers, pour les personnes sur le niveau du sport, que pour les médecins, parce que tous ne sont pas, ça a été rappelé, véritablement impliqués dans la prescription de l'activité sportive. Plus de visibilité dans le contenu des parcours, plus de visibilité aussi
dans le contenu des formations, on a à travers l'attrait aujourd'hui rencontré par la question du sport santé, de nombreuses formations qui sont proposées, qui sont des formations proposées tant par les universités que par les fédérations, que par le CREPS, que par nous-mêmes, qui sont là pour pouvoir garantir la sécurité, la sécurisation des parcours et la pratique. Mais tout ça fait qu'on a de multiples approches qu'il nous faut pouvoir simplifier, faciliter, non pas simplifier dans le contenu, parce qu'on a cet intérêt d'être garant tous de la sécurité du patient ou de la personne fragile qui rentre dans cette pratique de sportive. En tout cas, qu'on doit pouvoir faciliter la reconnaissance et le contenu de ce qui est compris par tous. Le créneau labellisé, qui est véritablement le cœur de cette sécurité de la pratique, de cette adaptation de la prise en charge, c'est quelque chose qui me tient à cœur, aussi bien au niveau du réseau Sport Santé Bien-être que des pouvoirs publics, quelque chose sur lequel il faudrait notamment qu'on puisse insister. Mais tout ça ne pourra faire que si on s'inscrit tous collectivement dans le long terme. Ce qui veut donc dire pérenniser aussi les financements, ne plus forcément être dans des logiques d'appel à projet, mais qu'on puisse vraiment se construire quelque chose de stable et sur plusieurs années, et avec des financeurs qui soient encore plus nombreux. On pense notamment à l'assurance maladie, lorsqu'on parle de ça, notamment lorsqu'on entend les chiffres importants que nous a rappelé le docteur Nguyen, 250 euros par an par personne non pratiquante du sport, ça commence à chiffrer, les 10 milliards qui étaient évoqués, c'est des chiffres qui sont considérables. On voit qu'on a des moyens, mais comme toujours, s'agissant de politique de prévention, on ne peut peut-être pas sur les moyens nécessaires, et il va falloir peut-être qu'on puisse tous diversifier, et non pas toujours se retourner vers les financements historiques du sport, que sont le CNDS, que sont le conseil régional, et les collectivités plus locales, que sont les communes et communautés d'agglomération. Et puis surtout, un des enjeux, c'est bien celui de diversifier l'offre. Alors diversifier l'offre à la fois sur le contenu de la pratique, c'est-à-dire que finalement tous les sports peuvent être proposés une version sport santé, de façon à pouvoir intéresser de nouveaux pratiquants, et puis également diversifier l'offre territorialement, puisque effectivement, un des enjeux, c'est que sur l'ensemble d'un territoire aussi diversifié que celui de la Champagne-Ardenne, on puisse proposer une offre, un accès au sport santé. Voilà, moi j'étais véritablement heureux de pouvoir, avec le conseil régional, vous inviter à cette petite conférence qui va vous permettre de pouvoir se reposer des questions, s'intéresser à cette problématique et nous dire que dans les mois à venir, on a un travail collectif et commun à mener en relation avec les pouvoirs publics, avec les autorités que sont les RGSCS et l'Agence régionale de santé pour construire ce plan régional qui nous fera tous collectivement avancer, puisque s'agissant du sport santé, on est bien sur une œuvre collective au bénéfice de tous. Voilà, merci à tous de votre participation et des riches débats que nous avons pu mener ensemble. Et je ne peux pas terminer sans remercier et féliciter notre chef de projet en charge notamment du sport santé et du cross, Julie Pilette, pour l'animation et la préparation qu'elle a pu mener. Merci à elle. Merci.